dans le souci de renforcer davantage la cohésion sociale, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. J'ai aussi signé un décret accordant la libération conditionnelle au contre-amiral Vagua Fossigno et au commandant Jean-Noël Abbey, condamné pour des infractions liées à la crise post-électorale de 2010.